Ces temps-ci, tout le monde semble être à la recherche de la voiture idéale, la bonne à tout faire. Idéale pour emmener les enfants à l'école, partir en vacances ou aller faire les courses chez Ikea. Et cette voiture, c'est bien souvent un SUV. Alors le SUV est-il une fatalité? Peut-être pas. Et si chez Mercedes on aime bien les SUV, on propose aussi des alternatives, comme cette CLA Shooting Brake. C'est un brake avec un coffre de plus de 500 litres, mais un style particulièrement réussi. Et en plus, cerise sur le gâteau, il se décline dans des versions sportives comme cette 35 AMG forte de 306 chevaux. Côté look, en tout cas, le nouveau CLA Shooting Brake ne laisse aucune espèce indifférente. Élancé, doté d'un pavillon fuyant et d'une lunette arrière inclinée, il ne manque pas d'allure. Par rapport à la précédente génération, il apparaît mieux équilibré, notamment grâce à des proportions profondément revues. Le nouveau CLA Shooting Brake est ainsi 50 mm plus long, mais aussi 53 mm plus large que l'ancien. Et ces changements de proportion, ils sont particulièrement visibles ici, à l'arrière, où on voit ces ailes renflées qui contribuent à bien asseoir la voiture. On notera aussi les flancs beaucoup plus épurés dans leur dessin qu'auparavant. Et forcément, le CLA Shooting Brake, il adopte le nouveau langage esthétique Mercedes, avec notamment cette calandre dite Shark Nose, légèrement inclinée vers le bas, et ses optiques affinées, l'ensemble lui confère un look vraiment sportif. On pourrait penser qu'un design aussi atypique impose forcément des compromis en termes de vie à bord. Heureusement, il n'en est rien. À l'arrière, bonne surprise, déjà on a une belle surface vitrée, donc on n'a pas cette impression un peu claustrophobique qu'on avait dans l'ancien modèle. Et puis on a aussi une belle habitabilité, sauf la personne qui s'installera au milieu, qui devra composer avec une banquette très dure et un tunnel de transmission assez encombrant. Le CLA Shooting Brake reprend la planche de bord des autres modèles de la gamme compacte et sa grande dalle numérique composée de deux écrans à cristaux liquides. On apprécie également la finition soignée, même si certains plastiques brillants font un peu bling bling. La 35 AMG se distingue par des touches de sportivité comme son volant sport logoté AMG ou ses sièges à appui-tête intégrés. Notre modèle d'essai disposait même des sièges baquets performance AMG, très enveloppants mais facturés la bagatelle de 2350 euros. Sous le capot, on trouve un 4 cylindres 2 litres turbo de 306 chevaux couplé à une boîte à double embrayage comptant 7 rapports. S'il est techniquement proche du bloc qui équipe les versions 45 AMG, il n'est pas produit dans l'usine historique d'Affalterbach et ne porte donc pas la fameuse plaque avec le blason AMG. Mais après tout, qu'est-ce que ça change? D'autant qu'à la conduite, ce bloc possède bien le caractère AMG. En tout cas, les 306 chevaux, ils sont tous là, il n'y a pas de raison d'en douter, les performances sont vraiment très bonnes. D'ailleurs, l'appétit de ce moteur pour les hauts régimes est tel que quand on est en mode manuel, on se laisse parfois surprendre par le rupteur. Accessoirement, à l'échappement, on a une sonorité typique avec des crépitations et tout. Il n'y a pas de doute, on est bien dans une AMG. Mercedes annonce un 0 à 100 km/h en 4 secondes 9, tandis que la vitesse maximum est électroniquement limitée à 250 km/h. La boîte se montre plutôt réactive en conduite sportive et globalement douce lorsque le rythme est plus paisible. Le châssis trouve un très bon compromis entre efficacité et agilité. La voiture est arrivée par terre, mais elle n'est pas ennuyeuse pour autant. Le train arrière accepte de se placer au frein ou à la réaccélération. Bon, cependant, il y a un petit détail qui me chagrine. C'est une 35 AMG, pas une 45. Donc pour moi, ça devrait être un modèle qui devrait chercher un petit compromis entre confort et sportivité. Et là, malheureusement, je trouve que les suspensions, au quotidien, sont un petit peu trop fermes. Le nouveau CLA Shooting Brake concilie avec talent, style et habitabilité, tout en dévoilant des qualités sportives assez inattendues dans cette version 35 AMG. Des suspensions un peu plus tolérantes auraient cependant contribué à faire de ce modèle un exemple de polyvalence. On peut en effet se montrer exigeant, car s'il est plutôt bien équipé, le CLA Shooting Brake est facturé 1200 euros de plus qu'un CLA normal déjà pas donné.